Il y a de cela bientôt 2 ans, je me lançais sur Dailymotion dans la création d'une série d'émissions consacrée à Kid Caméléon. Il s'agissait pour moi de finir ce jeu sans utiliser la moindre save state, ni le moindre cheat. Kid Caméléon a la réputation d'être un jeu difficile, certains disent même rebutant. Son architecture labyrinthique et son gameplay exigeant en font un véritable défi jeté par Sega à la face de tous les amateurs de jeux de plateforme. Cette série d'émissions au rythme haletant et à la narration soutenue a mis à rude épreuve ma dextérité, ainsi que mon endurance. C'est lessivé, fourbu que je suis sorti de cette épreuve, le jeu m'avait vaincu. Il était venu à bout de ma patience et de mon habileté. Cette émission, je l'avais appelée le spoil. Ce soir, j'ai décidé de prendre ma revanche sur ce jeu redoutable, et ce, devant vous. Le dispositif est exceptionnel. Une diffusion intégrale de la partie en direct sur Twitch TV. 6 canettes de boissons énergisantes et 3 paquets de Philip Morris ont été achetés pour l'occasion. Dorian, que vous connaissez peut-être sous le nom de Petit Gros, sera là lui aussi. Il fera office de support moral, mais me relayera aussi vos encouragements tout ainsi que vos huées. Et pour finir, le chat vous sera ouvert afin que nous vivions ensemble cette nouvelle aventure. Voici des mois à présent que je lis partout que tout le monde attend la suite du spoil, alors la voici. La suite du spoil de Kid Caméléon, sobrement intitulé Kid Caméléon, la revanche. Depuis le spoil, j'ai joué. Je me suis amélioré, j'ai surtout accumulé à l'égard de ce jeu assez de rancœur pour vous assurer que cette fois-ci, c'est la bonne. Ce soir, enfin, je vais vous spoiler Kid Caméléon.